Hello, ça va famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer une nouvelle fable de OneXBet qui va faire gagner 350 000 francs CFA. Du coup, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Comme vous le constatez, OneXBet vient de faire une mise à jour, mais dans cette mise à jour, il y a des nouvelles failles. Donc, du coup, nous allons appuyer sur menu. Une fois sur menu, nous allons cliquer sur Paris Sportif. Ok, nous allons cliquer sur Paris Sportif. Une fois sur Paris Sportif, nous allons cliquer sur Football. Ok. Et football, nous allons un peu descendre en bas pour pouvoir prendre les matchs. Donc, du coup, nous allons prendre ces deux championnats, match amicaux club et match amicaux national femmes. Ok, du coup, ce que les matchs, des genres de matchs que nous cherchons, attends, je vais vous le montrer. Ok, c'est comme ce genre de compte. Le premier est favori avec un compte de 1,08 et le deuxième est pas favori avec un compte de 30. Du coup, vous allez cliquer sur première période. Une fois sur première période, vous allez cliquer sur total et venir ici à plus de 1 but au premier mi-temps. Du coup, je profite aussi de vous le dire, inscrivez-vous avec mon code promo JUVE. Ok? Donc, du coup, nous allons descendre en cherchant des autres matchs qui ont des mêmes codes. Nous allons descendre. Je crois qu'il y a des autres matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Donc, du coup, nous allons chercher, c'est comme ce match-ci. Donc, du coup, nous allons cliquer parce qu'elle présente les mêmes caractères que l'autre match que nous avons sélectionné. Nous allons appuyer sur total et bon, là, il y a plus de 2 buts. Donc, du coup, ça serait pas possible. Nous allons chercher des autres matchs. Et notez bien, prenez les matchs qui ont plus de... prenez les plus de 1 but, ne prenez pas plus de 2 parce que car plus de 2 c'est un peu dangereux. Et là aussi, des comptes ils présentent les mêmes caractéristiques et plus de 2 buts, du coup, c'est pas bon. Nous allons revenir et nous allons aller chercher le deuxième championnat que je vous ai montré, match amicaux équipe nationale femme. Du coup, nous allons venir ici. Et comme vous le saviez aussi, les matchs nationales à des femmes mettent beaucoup de buts pendant les matchs. Du coup, nous allons venir ici et pour les femmes, il suffit qu'ils puissent avoir un favori largement. Donc, du coup, ça serait comme ceci. Et vous allez venir ici, vous allez mettre plus de 1 but. Ok? Plus de 1 but. Et une fois plus de 1 but, vous allez venir en cherchant des autres... trucs. Donc, du coup, vous allez venir ici, descendre. Ici, première mi-temps. Et première mi-temps, c'est toujours la même faille. Vous allez venir, vous allez mettre plus de 1 but sur la... au première mi-temps. Du coup, et une fois que lorsque vous allez finir, vous allez faire arrière pour chercher des autres matchs qui sont courts. On prend comme ce match-ci, la France face au Cameroun. Ce sont des matchs nationaux filles. Ok, donc du coup, nous allons cliquer sur première période. Et là, malheureusement, ils ont dit plus de 3 buts en première période. Et ça, non. Du coup, c'est pas possible. Nous allons chercher un autre match. C'est comme l'Espagne face à l'Australie. Du coup, nous allons cliquer. Nous allons diriger avec première période. Toujours la même faille. Une fois sur première période, du coup, nous allons descendre en bas et mettre plus de 1 but aux premières périodes. Ok. Ok, on coche. Et nous allons chercher des autres matchs. C'est toujours les matchs d'aujourd'hui. Et je vais laisser le code sur la vidéo. Du coup, et vous allez venir descendre en bas. On va prendre comme ce match-ci Costa Rica face à Haïti. C'est toujours les championnats des femmes. Du coup, nous allons cliquer dessus. Et... ah, ok. Donc, nous allons venir parier. Ici, nous allons mettre 172 627. 172 627 francs CFA. Ok. Et ça va donner 329 000 francs CFA. Du coup, nous allons appuyer sur Paris pour pouvoir parier. Ok, nous allons appuyer sur Paris et c'est parier. Donc, du coup, nous allons aller sur historique pour voir si réellement le coupon a été accepté. Du coup, nous allons diriger vers le coupon. Ok, nous allons cliquer dessus. Et comme vous le voyez, le coupon a été accepté avec succès. Du coup, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si la vidéo t'a plu, like. Merci.